Bonjour et bienvenue dans cette vidéo limpide de février 2024. Alors aujourd'hui, on est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Autant traditionnellement, chez Limpide, on vous propose des webinaires en direct qui sont ensuite rediffusés, autant là, on a préféré le format d'enregistrer cette vidéo de notre côté et pour vous la rediffuser le plus rapidement possible, parce qu'on va parler d'un sujet qui vous concerne tous et qui vous préoccupe énormément. Je parle de la fiscalité électrique. Alors, évidemment, cette vidéo, elle est destinée à tous les clients Limpide et également aux entreprises qui ne nous connaissent pas et qui recherchent des informations sur le sujet, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué de naviguer dans ces eaux aussi troubles. Alors, au programme, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va refaire un bref historique de la fiscalité électrique sur ces dernières années, pour que vous compreniez d'où viennent les nouveautés du mécanisme qui a commencé en février 2024. Ensuite, on va rentrer plus en détail sur le nouveau système, ce qui s'applique à compter du 1er février 2024 et qui va s'appliquer pour les années qui suivent. Chapitre 3, on va très concrètement vous donner des conseils sur ce que vous devriez faire en 2024, sachant qu'en matière de fiscalité, c'est chaque entreprise qui fait ses choix. Et donc, j'imagine que c'est toujours un petit peu compliqué pour les entreprises de faire ses choix quand on ne connaît pas l'environnement, quand on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Donc, on va essayer de rendre tout ça clair et puis de vous donner des recommandations concrètes. Enfin, on va faire un dernier chapitre sur en fait le mode de fonctionnement, parce qu'en fait le texte de loi est resté globalement le même, mais les dernières années, c'était les douanes qui s'occupaient de la fiscalité électrique, gazière, pétrolière, etc., la fiscalité énergétique au sens large. Désormais, ce sont les services des impôts qui vont s'occuper de ça. Alors autant le texte de loi n'a pas trop changé, quasiment pas sur la partie électricité, mais ce sera la modalité de communication avec l'administration française qui va absolument changer. Et donc, on va vous expliquer en quoi ça consiste. Commençons par un bref rappel sur la fiscalité, un bref rappel de l'historique et de l'évolution de la fiscalité électrique. Et là, on va vous parler de ce qui se passait sur le sujet jusqu'au 31 janvier 2022, donc en gros, avant la crise de l'énergie, avant la guerre en Ukraine. Donc, rappelons qu'on parle principalement de la CSPE, qui est la taxe principale sur l'électricité. Donc la CSPE, c'est la contribution au service public de l'électricité, que certains fournisseurs et l'administration appelaient parfois la TICFE, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Et dans tous les cas, cette taxe, peu importe son nom, elle représentait 22,50 € par mégawattheure. C'est-à-dire, si on traduit en centimes d'euros par kilowattheure, ça fait 2 centimes 25. À l'époque, il était possible de bénéficier d'exonération totale de CSPE, donc au lieu de payer 22,50, de payer absolument zéro, mais n'étaient concernés que des usages très spécifiques de l'électricité. Je vous donne une petite liste très brève, là c'est une petite synthèse pour vous donner un aperçu des activités concernées, mais la liste est beaucoup plus longue dans le texte de loi, mais si on devait conceptualiser, on parle d'activités de production relativement lourdes et relativement gourmandes en énergie. Ces exonérations totales de CSPE, elles étaient indépendantes du code NAF ou du code APE. Alors NAF, nomenclature de l'administration française, et APE, activité principalement exercée. Cette exonération totale de CSPE, à l'époque, ne portait que sur le pourcentage d'électricité qui était affecté à des usages très ciblés, ceux qui sont dans le texte de loi, donc tout ce qui est métallurgie, fabrication de ciment, de verre, etc. Si bien qu'une entreprise qui fabriquerait par exemple du verre plat et qui utilise 80% de son électricité pour la production de verre et les 20% qui restent qui servent à alimenter les bureaux et éventuellement une activité commerciale, et bien pour cette entreprise, il y a seulement les 80% qui sont utilisés pour la production de verre plat qui seront totalement exonérés de CSPE, les 20% restants, la partie administrative et commerciale, restant soit à taux plein, soit à un taux réduit, mais en tout cas pas d'exonération totale. Donc jusqu'au 31 janvier 2022, on avait également possibilité d'une autre chose. Là, je vous parlais des exonérations totales de CSPE, mais il y a quelque chose qui concerne encore plus d'entreprises, ce sont les taux réduits, ce qu'on appellerait conceptuellement une exonération partielle de la CSPE. Et alors, avant janvier 2022, il existait deux critères pour bénéficier de ces taux réduits.
Premièrement, l'activité principalement exercée dans la réalité opérationnelle devait être considérée comme industrielle. Alors après, il y a des textes de loi qui expliquent ce que c'est le concept d'industriel. Je ne vais pas vous le développer ici, ce n'est pas le lieu pour ça. Et le deuxième critère qu'il fallait cumuler, c'était celui d'avoir un statut de consommateur électro-intensif. Je vais un petit peu vous schématiser parce que la réalité est un petit peu plus complexe, mais en gros, un ratio d'électro-intensité, c'est un rapport entre, d'une part, au numérateur, les consommations d'électricité en volume, et au dénominateur, la valeur ajoutée produite par l'entreprise sur une année fiscale. Quand je dis valeur ajoutée, c'est une façon un petit peu de simplifier, parce qu'on ne prend pas la simple valeur ajoutée qu'il y a sur le bilan ou sur l'alias fiscale. Il s'agit en fait de retraiter l'alias entière pour arriver à un retraitement de valeur ajoutée. Donc on va simplifier, hein, VA, valeur ajoutée, pour ne pas trop se perdre et se noyer dans les détails techniques. Quand une entreprise était donc industrielle et électro-intensive, elle pouvait bénéficier de 6 taux différents de CSPE. Donc, ils étaient tous compris entre 0,50 euros par mégawattheure et 7,50 euros avec tous les ventailles. Donc, 7,50, 5,50 euros, 5 euros, 2,50 euros, 2 euros et enfin 50 centimes. Et là, évidemment, la question qui va se poser, c'est bah, une fois que je suis industriel et que je suis électro-intensif, qu'est-ce qui fait que j'ai droit à 2 euros ou à 7,50 euros? Et bien, en fait, il va y avoir trois critères qui permettent de définir le taux réduit de CSPE auquel l'entreprise a droit. Premièrement, ça va être le ratio d'électro-intensité, le taux d'électro-intensité. Donc, ce fameux rapport entre, d'une part, les consommations en volume et, d'autre part, les données financières produites sur l'année fiscale. Donc, à ce titre, existent trois seuils. Et donc, plus une entreprise a un taux d'électro-intensité important, plus le taux de CSPE va baisser. L'objectif du dispositif, hein, c'est d'aider le plus possible en baissant les taxes, les entreprises qui utilisent beaucoup d'énergie et d'électricité pour produire des valeurs ajoutées toutefois modestes. Deuxième critère qui va être important pour déterminer le taux auquel l'entreprise a droit, et ben c'est un critère un peu binaire. Là. C'est est-ce que l'entreprise fait partie des listes des activités qui sont exposées à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes. C'est lourd et c'est un petit peu indigeste, mais en gros, il existe des textes de loi européens, des directives de la Commission européenne, qui catégorise les différentes activités industrielles françaises et qui permettent de dire si oui ou non c'est concerné par ce chapitre-là, risque de fuite carbone en raison des coûts des émissions indirectes. Enfin, troisième critère pour définir le taux auquel l'entreprise a droit, ben c'est le degré d'exposition du secteur d'activité à la concurrence européenne et internationale. Alors là encore, c'est un petit peu technique, c'est des tableaux de la Commission européenne qui catégorisent pour chaque activité d'entreprise, quel est le pourcentage de concurrence qui existe sur ce marché, sur ce secteur d'activité. Ne me demandez sûrement pas comment sont calculés ces pourcentages. C'est un petit peu l'INSEE version européenne, donc les méthodes de calcul, on ne va sûrement pas s'y attarder. Mais en tout cas, voilà, il y a une liste. Et donc, si vous avez une activité qui est considérée comme très exposée à la concurrence, donc un ratio qui dépasse un certain pourcentage dans la nomenclature européenne, eh bien, vous aviez droit à l'époque à un taux réduit encore plus faible. Et donc, en cumulant ces trois critères, donc premièrement, taux d'électro-intensité, deuxièmement, risque de fuite de carbone, et troisièmement, ouverture à la concurrence, eh bien, c'est en combinant ces trois facteurs qu'on pouvait déterminer si vous aviez droit à 7,50, 5,50 euros, 5 euros, 2,50 euros, 2 euros, ou bien le taux réduit le plus faible, 50 centimes d'euros par mégawattheure. Ensuite est apparue la crise sur les marchés de l'énergie, en parallèle avec la guerre en Ukraine, et donc à partir du 1er février 2022, l'État français a mis en place ce qu'on appelle le bouclier tarifaire. Alors le bouclier tarifaire, pour ne pas épiloguer, parce que ce serait un vrai sujet à part entière, mais ça représente deux taux de taxation différentes. Les compteurs de plus de 36 kVA de puissance, ils passent à 0,50 euros par mégawattheure. Donc là, ça fait un gain de 22 euros par mégawattheure hein, par rapport au taux plein d'antan. Plus de 36 kVA, donc en gros, les tarifs jaunes et les tarifs verts, si on prend cette terminologie. Pour les compteurs qui sont à moins de 36 kVA de puissance, donc en gros, les tarifs bleus, eh bien, le taux passe de 22,50 à 1 euro par mégawattheure. Voilà, donc ça fait une sacrée ristourne, et donc les entreprises françaises ont bénéficié
de ces taux extrêmement faibles pendant 24 mois, donc du 1er février 2022 au 31 janvier 2024. Donc quand on passe de 22,50 euros à 1 euro ou à 50 centimes, on peut quasiment parler de suppression de la taxe principale sur l'électricité. Évidemment, pendant cette période du bouclier tarifaire qui a duré 24 mois, les entreprises qui étaient éligibles à une exonération totale restaient éligibles à un taux de 0 euro par mégawattheure sur le pourcentage de consommation qui était destiné aux usages exonérés. À partir du 1er février 2024, là, c'est un micmac un petit peu plus compliqué. Alors, déjà, on a les pouvoirs publics qui nous ont informés à la fin du mois de janvier 2024 de ce qui allait se passer à compter du 1er février 2024. On est dans un timing extrêmement short, on a eu plein d'informations et leur contraire selon les différents intervenants et les différents pouvoirs publics. Et donc, on va essayer de vous faire un petit récap le plus clair possible sur ce qui se passe depuis le 1er février 2024. Rappelons que là, on est quasiment à l'heure où on fait cette vidéo mi-février, donc ça fait 2 semaines que le dispositif a intégralement basculé. On va essayer de vous faire un résumé, parce que si on vous racontait un petit peu toutes les histoires qu'il y a eu, entre le gouvernement qui voulait tel taux de taxe, le Sénat qui a retoqué, etc., on serait parti pour une histoire, on serait parti sur un scénario hollywoodien. Et donc, on n'a pas forcément le temps de ça, donc on va se focaliser sur le résultat de tout ça. C'est qu'en fait, le bouclier tarifaire, il est majoré de 20 euros par mégawattheure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, les compteurs de plus de 36 kVA, c'est-à-dire les tarifs jaunes et les tarifs verts, passent de 50 centimes à 20,50 euros. Et les compteurs moins de 36 kVA, donc les compteurs bleus, passent de 1 euro à 21 euros par mégawattheure. Donc là, c'est relativement simple et ça, c'est acté après tous les allers-retours qu'il y a eu au cours des dernières semaines et des derniers mois. Bien évidemment, les entreprises éligibles à une exonération totale de la CSPE reste à 0 euro par mégawattheure. Évidemment, là-dessus, ça n'a pas changé. Et évidemment, on parle toujours de la part de l'électricité qui est utilisée pour les usages très spécifiques mentionnés dans le texte de loi. En ce qui concerne les entreprises industrielles électro-intensives, donc ceux qui, auparavant, bénéficiaient, donc avant 2022, bénéficiaient d'un des 6 taux qu'on avait mentionnés, ces entreprises vont en fait rester éligibles au bouclier tarifaire, c'est-à-dire 50 centimes d'euros par mégawattheure pour les gros compteurs, c'est-à-dire plus de 36 kVA, et 1 euro par mégawattheure pour les anciens tarifs bleus, donc moins de 36 kVA. Concrètement, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que les entreprises doivent faire en 2024? Alors, on va essayer de vous apporter des clés de compréhension et puis surtout des conseils très concrets, parce que dans la pagaille qui a été semée par les pouvoirs publics ces derniers temps, vous avez bien besoin de visibilité et de limpidité. Donc, on va essayer d'être le plus clair possible. Alors, dans un premier temps, on va voir le cas des entreprises qui sont éligibles à une exonération totale de CSPE. Ces entreprises, elles ont 2 options. La première, c'est de rester à taux plein et de faire une demande de remboursement une fois que l'année fiscale elle est terminée. Donc en gros, vous payez votre 20,50 euros ou 21 euros, et puis à la fin de l'année, vous demandez à l'État de vous rembourser 20 euros par mégawattheure sur tout ce qui a été éligible à une exonération totale. L'option numéro 2, qui me semble moi peut-être la plus pertinente, c'est d'appliquer l'exonération de la CSPE directement sur la facture du fournisseur. Alors là, il y a un formulaire dont on va parler à la fin de cette vidéo qui permet au fournisseur d'appliquer le taux que vous demandez. Et donc, à cela, on va avoir des avantages en termes de trésorerie. Parce qu'en fait, au lieu de payer une facture avec votre fourniture, votre acheminement et une taxe à 21 euros ou à 20,50 euros, eh bien, en fait, vous allez avoir 20 euros qui sautent sur la facture sur la ligne CSPE. Donc, plutôt que de payer le taux plein et de faire une demande de remboursement en fin d'année, bah là, hop, dès votre première facture, vous avez une exonération totale de CSPE qui vous fait gagner 20 euros par mégawattheure sur les volumes exonérés. L'autre avantage de cela, et ce que je recommande vivement, c'est d'appliquer ce taux réduit si c'est, d'appliquer l'exonération totale de CSPE, parce que ça concerne un usage de l'électricité. Donc, en fait, si votre activité n'a pas changé, vous êtes toujours éligible. Sauf si vous avez radicalement changé vos processus de production ou que vous avez carrément changé d'activité. J'imagine, c'est quand on est une fonderie d'aluminium,
ne se transforme pas comme ça en restaurant italien. Donc, normalement, si vous étiez éligible il y a quelques années, il n'y a absolument aucune raison que vous ne le soyez pas en 2024. Le seul sujet sur lequel il faut être très vigilant, c'est la part de l'électricité que vous allez demander en exonération totale. Parce que peut-être que si vous avez, je ne sais pas, plus de bureaux et que vous produisez toujours autant qu'il y a 2 ans, ce sera peut-être plus 70% de votre électricité qu'il faut demander à taux zéro, mais une part plus faible parce que la part bureau ou commerce a pris beaucoup plus d'électricité en proportion. Donc ça, la seule question, c'est le pourcentage d'électricité du compteur qui va être exonéré de CSPE. Dans tous les cas, que vous preniez l'option 1 ou l'option 2, vous allez avoir une obligation légale, c'est de produire un dossier tous les ans pour l'administration fiscale afin de clarifier votre situation. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez appliqué un taux réduit ou non? Est-ce que vous étiez bien éligible? Recalculer les volumes éligibles, etc. etc. Donc vous avez, dans tous les cas, une fois l'année terminée, une obligation de rendre des comptes. Ensuite, pour les entreprises qui sont éligibles à un taux réduit de CSPE. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2024? L'option 1, la même, rester à taux plein tout au long de l'année 2024 et faire une demande de remboursement une fois que l'année fiscale est clôturée. Et l'option 2, appliquer le taux réduit de CSPE directement sur la facture du fournisseur pour gagner en trésorerie, comme on l'a vu précédemment. Ça va être un petit peu plus risqué, parce que comme on l'a vu, l'éligibilité à un taux réduit, alors, ça dépend de deux choses. Donc, l'aspect industriel, encore une fois, ça ne va pas changer du jour au lendemain, sauf si vous changez d'activité. Mais par contre, le statut d'électro-intensif, c'est quelque chose qui est remis en cause, qui est remis en jeu tous les ans. Parce que, comme on l'a expliqué, c'est d'une part au numérateur des consommations d'électricité et au dénominateur des valeurs ajoutées. Donc, ce ratio, il va bouger tous les ans. Et donc, il est possible d'une année sur l'autre d'être éligible et de ne plus être éligible. Donc, conclusion, il n'y a qu'une fois que l'année fiscale est terminée, quand on a arrêté les consommations d'électricité sur l'exercice fiscal et qu'on a l'alias fiscal qui permet de retraduire la valeur ajoutée au sens de l'administration, il n'y a qu'à ce moment-là qu'on a la certitude à 100% de est-ce que vous êtes éligible ou pas et à quel taux vous avez droit. Donc, conceptuellement, demander à votre fournisseur d'appliquer un taux réduit, c'est en fait c'est anticiper son éligibilité et c'est demander une éligibilité a priori, mais qui ne sera confirmée qu'a posteriori. Donc, c'est un certain risque que prennent les entreprises d'appliquer un taux réduit parce que il est tout à fait possible qu'une fois l'année terminée, on s'aperçoive que l'entreprise n'était plus éligible. Et à ce moment-là, on le verra plus tard, c'est à l'entreprise de rembourser le bénéfice du taux réduit. Dans tous les cas, qu'on fasse l'option 1, c'est-à-dire une demande de remboursement, ou l'option 2, appliquer un taux réduit, il faudra faire un dossier. Dans tous les cas, fiscalité électrique, ou même fiscalité gazière, c'est la même chose, il doit y avoir des... faut rendre des comptes à l'administration, tout simplement. Et l'objectif de ces dossiers, c'est plusieurs choses. Premièrement, attester auprès de l'administration les volumes d'énergie, donc en particulier d'électricité, qui ont été détaxés ou taxés à taux réduit. Parce que l'administration fiscale, quand elle donne des exonérations, elle aime bien savoir combien ça lui a coûté. Effectivement, ça c'est important. Et surtout, le plus important, c'est de recalculer son ratio a posteriori. Parce qu'encore une fois, quand vous demandez l'application d'un taux réduit, vous le faites a priori, et ce n'est qu'une fois l'année terminée que vous allez pouvoir calculer définitivement votre ratio d'électro-intensité pour l'année fiscale en question. Et on le verra par la suite quand on va vous expliquer comment ça se passe. Mais l'objectif du dossier, c'est de procéder aux éventuelles régularisations. Donc la régularisation, on le verra plus tard, elle peut être nulle, elle peut être en la faveur de l'État ou elle peut être en la faveur du consommateur. On va voir ça un tout petit peu plus tard. Donc, en résumé, il est possible d'appliquer un taux réduit a priori via votre fournisseur. On verra tout à la fin de cette présentation comment matérialiser cette demande. Mais dans tous les cas, vous aurez besoin de justifier ce qui a été fait a posteriori. Dans tous les cas, qui dit exonération de CSPE,
dit dossier fiscal à monter après la clôture de chaque exercice fiscal. Quand on dit après la clôture, c'est en gros une fois que vous avez votre liasse fiscale qui vient couronner la fin de votre exercice fiscal. Et donc, là, je vais vous évoquer les trois scénarios possibles quand on monte ces dossiers, que ce soit demande de remboursement ou justification d'un taux réduit qui a été appliqué sur la facture du fournisseur. Le premier scénario, c'est le suivant. Le taux réduit qui a été déterminé a posteriori, donc dans la réalité, il est égal au taux réduit que le consommateur a demandé à son fournisseur d'appliquer a priori, au commencement de l'année fiscale. Bon, bah dans ce cas-là, on est très bon. C'est-à-dire que vous avez eu ce à quoi vous aviez droit, ni plus ni moins, donc rien à signaler. Scénario 2. Si le taux réduit réel auquel vous aviez droit a posteriori, une fois qu'on a fini l'exercice fiscal, on s'aperçoit que ce taux réduit est plus élevé que celui que vous aviez demandé à appliquer, à ce moment-là, c'est à l'entreprise de rembourser l'État. Alors ça, proportionnellement à ce qui a été perçu de façon indue par le consommateur. Et enfin, on va avoir le troisième scénario, l'exact inverse. Une fois qu'on a terminé l'année fiscale, si on s'aperçoit a posteriori que l'entreprise aurait pu avoir un taux plus faible que ce qu'elle a appliqué, eh bien, en fait, l'entreprise peut faire une demande de remboursement pour avoir un petit chèque de la part de l'État sur le droit supplémentaire qu'elle n'a pas fait valoir quand elle a appliqué le taux réduit via le fournisseur. Donc, vous l'avez compris, c'est une balance entre, d'un côté, ce que l'entreprise a demandé d'appliquer sur sa facture via le fournisseur versus ce à quoi elle avait le droit une fois que les données sont arrêtées, une fois que l'exercice fiscal est clôturé. Et dans tous les cas, il faut faire un dossier pour régulariser. Et puis, quand bien même on serait dans le scénario 1, à savoir pas de régularisation, eh ben, rien que ça, il faut déjà l'attester auprès des pouvoirs publics et de l'administration fiscale. Donc, concrètement, qu'est-ce qui va se passer donc, pour les entreprises éligibles à taux réduit de CSPE? On va vous donner nos conseils, parce que là, on a fait un petit peu de la théorie. Donc, nos conseils chez Limpid, c'est que les entreprises qui étaient éligibles haut la main il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, ou il y a 4 ans, bah, si on était 10 fois au-dessus du ratio d'éligibilité pour avoir un taux réduit, bon, sauf changement radical de l'organisation de l'entreprise, normalement, il n'y a pas un très grand risque à appliquer un taux réduit. Pour les entreprises qui ont eu des ratios d'électro-intensité où c'était éligible de pas grand-chose, ou une année sur deux, c'est éligible, une année sur deux, pas éligible. À ce moment-là, on considère qu'il y a quand même un plus gros risque à appliquer un taux réduit, sachant que, encore une fois, si vous appliquez un taux réduit, vous gagnez 20 euros par mégawattheure sur les factures, mais si à la fin de l'année, vous devez rembourser l'État de 20 euros par mégawattheure fois votre volume d'électricité annuel, ça peut faire très mal, ça peut être des surprises très, très douloureuses. Et ce qui nous complique énormément la vie, c'est que d'habitude, on regarde les ratios des années précédentes pour imaginer à quoi ça va ressembler demain. Le point, c'est qu'avec le bouclier tarifaire qui a été mis en place en 2022-2023, les entreprises n'ont pas monté de dossier de taxes énergétiques. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les seuls ratios d'électro-intensité qu'on a, même chez nos clients, c'est des ratios qui datent de plusieurs années. On n'a pas les 2 dernières années. Et là où c'est un petit peu compliqué, c'est que se baser sur des ratios qui datent d'il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est extrêmement hasardeux parce qu'entre-temps, il y a eu deux choses qui ont énormément évolué à coup sûr dans toutes les entreprises. C'est d'une part la consommation, parce que déjà, il y a des évolutions en termes d'organisation de la production. Il y a eu la crise des prix de l'électricité qui a fait que de nombreux consommateurs ont vraiment réduit leur consommation. Donc là, il y a vraiment un gros bouleversement sur ce qui est au dénominateur du ratio d'électro-intensité. Et au dénominateur de ce ratio d'électro-intensité, c'est la valeur ajoutée. Et on sait très bien que là, pour les entreprises, ces dernières années, c'est très, très compliqué, ça fluctue énormément. Donc, numérateur très fluctuant, dénominateur très fluctuant, le ratio il est un petit peu plus que fluctuant, donc si on n'a pas l'historique des 2 dernières années, ça devient très compliqué de faire des pronostics sur l'année à venir. Donc c'est pour ça que quand on est dans cette situation, autant rester au taux plein
attendre la fin de l'année fiscale, on regarde si éligible à un remboursement ou pas, et à ce moment-là, on fait une demande de remboursement, et si c'est éligible, bah vous avez votre remboursement. Dernier chapitre de cette présentation, on va vous faire un petit point sur le changement d'interlocuteur, puisque comme on l'a évoqué, c'était précédemment les douanes qui s'occupaient de la fiscalité électrique et énergétique au sens plus large. Désormais, ce sont les impôts. Ça implique beaucoup de changements en termes de méthodologie, même si le texte de loi initial reste le même. Donc, petit récap, comment ça marchait avec le système des douanes, donc avant la fin 2022? Pour ceux qui appliquaient les exonérations directement sur la facture via le fournisseur, il y avait l'obligation de faire un dossier justificatif et la date limite d'envoi, bah, c'était le 1er juin de l'année qui suit la clôture de votre consommation. Donc voilà, votre exercice fiscal 2020, et bah, vous aviez jusqu'au 1er juin 2021 pour faire vos dossiers justificatifs et faire vos régularisations ou pas. Enfin, pour ceux qui restaient au taux plein et qui faisaient une demande de remboursement, ça se passait de la façon suivante. Il y avait une rétroactivité jusqu'à N-2, donc c'est-à-dire qu'en, par exemple en 2022, on pouvait demander le remboursement de l'année 2020. Donc ça laissait le temps aux entreprises, voilà, de traiter ces sujets-là. Et on ne pouvait monter la demande de remboursement qu'une fois l'exercice clôturé. Une fois que l'exercice était clôturé, on récupérait donc quelques mois après les liasses fiscales pour faire ce calcul des ratios d'électro-intensité. On transmettait le dossier aux douanes qui ensuite devaient valider le dossier. Ça prenait entre quelques semaines, voire un an et demi selon les bureaux de douane qui étaient régionalisés, voire départementalisés dans certains secteurs. Donc c'était des processus relativement longs. Et puis ensuite, une fois que le dossier était validé, bah, il y avait ce qu'on appelle la mise en paiement. Alors là, selon la trésorerie de l'État, au moment où votre dossier était validé, bah, ça pouvait prendre quelques jours. On a eu des cas où certains départements mettaient jusqu'à 4 mois pour payer les remboursements de CSPE. Donc en gros, si vous aviez consommé à taux plein en 2020, bah, des fois, ça pouvait arriver d'avoir le remboursement 2 ans après. Entre l'attente de l'alias fiscal, monter le dossier, l'envoyer aux douanes, qu'il le valide et qu'ensuite il y ait la mise en paiement, l'un dans l'autre, si on jouait de malchance, on pouvait vraiment, ça pouvait prendre un temps extrêmement long. Qu'est-ce qui change avec le système des impôts? Alors, il y a beaucoup de choses qui changent, donc on va essayer de vous donner juste quelques billes. Alors déjà, en termes de vocabulaire, je vous ai parlé de CSPE, petit côté old school, parce qu'on a un petit peu du mal à se mettre à jour, mais désormais, on parle d'assises sur l'électricité. Vous voyez, on parlait de CSPE, de TICFE, maintenant c'est l'assise sur l'électricité. Bon, on va essayer de se mettre au goût du jour en termes de sémantique. Donc parlons d'assise. Évitons d'ici la fin de la présentation de parler de CSPE. Pas gagné ça. Alors, pour les consommations 2022 et 2023, avec le système des impôts, il n'y a pas de dossier à faire, puisqu'effectivement tout le monde était au taux le plus faible. Sauf les quelques-uns qui avaient une exonération totale de CSPE, qui avaient 50 centimes à demander en remboursement, mais ça c'était un petit peu marginal. On va dire que ça représente 0,1% des consommateurs professionnels. En 2024, donc, bah, c'est la première fois que les entreprises vont être confrontées au nouveau système des impôts. Alors, quelques petites informations pêle-mêle, hein, sur les petites nouveautés avec le système des impôts. En ce qui concerne les demandes de remboursement. Donc, la demande, elle se fait toujours une fois l'exercice fiscal clôturé, une fois que vous avez votre liasse fiscale, évidemment, qui est prête. Ce qui va énormément changer, c'est qu'on n'envoie plus les dossiers aux douanes, mais les démarches se font en ligne sur le site des impôts. Alors, là, c'est un bazar également pas possible pour trouver les bonnes sections et pour gérer tout ça, mais on pourra vous en dire plus dans les mois qui viennent pour vous guider là-dessus. Le remboursement avec les douanes, bah, c'était tout simplement un virement bancaire qui arrivait sur le compte de l'entreprise. Désormais, c'est beaucoup plus rapide. Et en fait, ça prend la forme d'une déduction sur la prochaine déclaration d'impôt ou de TVA de l'entreprise. Donc là, c'est un changement assez radical. Donc, je vous prends un exemple, hein. Une fois que vous savez que vous devez demander 23 767 euros de remboursement, et ben en fait, au lieu de payer, je sais pas, la TVA et vos impôts à hauteur de 50 000, et ben vous faites 50 000 moins votre remboursement et vous ne décaissez que la différence.
Donc en fait, ce n'est pas un remboursement qui est crédité sur votre compte, mais c'est un espèce d'avoir, entre guillemets, sur la dette que vous avez auprès de l'État en matière d'impôts et autres taxes. Gros changement, avec le système des impôts, il n'y a pas de validation par le douanier. Parce qu'avant, c'était très long, le douanier validait le dossier. Mais d'un autre côté, on avait la certitude qu'il y avait un douanier qui avait mis son cachet. Et ma foi, on était sûr d'être éligible. Et puis si le dossier n'était pas éligible, le douanier retoquait le dossier. Désormais, plus de validation, tout est purement déclaratif. Donc je vais être un petit peu provoque. Vous pouvez demander tout et n'importe quoi. Vous aurez votre crédit d'impôt. Enfin, votre remboursement de CSPE va être validé pour votre entreprise. Mais par contre, là où il va y avoir un peu plus d'anxiété, c'est qu'il y a des risques de contrôle. Alors avec les douanes aussi, il y avait déjà des risques de contrôle. Mais avec les impôts, évidemment, ça va être un sujet très important. Et donc, quelqu'un qui aurait fait n'importe quoi, quelqu'un qui n'était pas éligible et qui a demandé des remboursements, qui s'est fait rembourser 20 euros par mégawattheure sur toutes ses consommations, eh ben oui, il a obtenu des crédits de TVA et d'impôts. Mais par contre, le jour où il y a un contrôle, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, l'entreprise va devoir donner tous les dossiers justificatifs. Donc, si elle ne les a pas fait année par année, ben alors là, elle va se retrouver dans une situation un petit peu compliquée. Et si l'administration, à l'issue de ce contrôle, voit que l'entreprise n'avait pas droit à ces montants, eh ben, l'entreprise va devoir, d'une part, rembourser tous les bénéfices de CSPE qu'elle a perçus. Et deuxièmement, il va y avoir des amendes, des pénalités, des taux d'intérêt, etc. Donc quelque chose d'assez dissuasif. Donc techniquement, une entreprise peut demander l'application de tout et de n'importe quoi. Mais par contre, attention, restez sérieux et vigilant puisque vous avez des contrôles qui seront opérés. Et c'est pour ça que sur ces sujets-là, vu que tout est déclaratif, il faut absolument être accompagné. Parce que si vous interprétez mal le texte de loi et puis que pendant des années, vous bénéficiez d'exonération de CSPE auquel vous n'aviez dans la réalité pas droit, et ben vous allez droit dans le mur. Et si dans 10 ans, vous êtes contrôlé par les impôts, là, vous allez avoir des sommes très importantes à redonner. Donc, voilà, très important d'être bien accompagné, d'avoir un référent sur la fiscalité énergétique. Ça devient de plus en plus indispensable. Donc pour les dossiers, on parlait des demandes de remboursement. Pour les dossiers justificatifs, donc si vous appliquez un taux réduit sur vos factures d'électricité, eh ben vous aurez un dossier justificatif à produire auprès de l'administration fiscale une fois l'exercice clôturé. Pour l'instant, on attend toujours les consignes. On a quelques infos, mais voilà, je pense qu'à un moment, on y verra un petit peu plus clair dans les mois qui viennent. Donc pour l'instant, on ne va pas trop vous communiquer les quelques ragots ou informations qu'on a reçues de la part de l'administration. On attend d'avoir des choses un petit peu plus formelles. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer si vous souhaitez vous déclarer comme électro-intensif a priori et bénéficier d'un taux réduit, donc en l'occurrence du bouclier tarifaire, d'un 50 centimes du mégawattheure ou 1 euro du mégawattheure, vous devez envoyer une attestation à votre fournisseur afin que ce dernier vous émette les factures avec 0,5 ou 1 euro du mégawattheure sur la ligne CSPE. Et je l'ai dit, et non, il faut parler d'assises sur l'électricité. Donc voilà, CSPE assises. On est tous un petit peu confus avec ce changement sémantique, mais voilà, sur la ligne de la taxe principale sur l'électricité, eh bien, votre fournisseur vous permettra de la faire sauter ou de la mettre au taux réduit le plus faible, à savoir 50 centimes en euros par mégawattheure, le montant du bouclier tarifaire. On va vous montrer donc là sur cette fin de présentation à quoi ressemble l'attestation. Alors, l'attestation, c'est toujours un petit peu complexe, hein. Ça se remplit au cas par cas, chaque situation fiscale étant différente d'une autre. On va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je tenais à faire une petite précision que je n'ai pas mentionnée sur ma présentation sur mon PowerPoint. Vous avez reçu des courriers de la part de vos fournisseurs vous indiquant qu'il fallait envoyer cette attestation avant le 10 février pour bénéficier du bouclier tarifaire. Alors, oui, c'est vrai, mais il faut relativiser. Pourquoi il faut relativiser? Le fournisseur, s'il veut sortir votre facture avec les consommations de février avec un 0,5 ou 1 euro du mégawattheure, le retour au bouclier tarifaire,
il doit en effet recevoir votre attestation au plus vite, donc avant le 10 février. Et là, alors on parle, c'est déjà dépassé. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Si vous loupez ce délai, vous pouvez toujours envoyer votre attestation le mois prochain à votre fournisseur. Et qu'est-ce qui va se passer si vous envoyez cette attestation pour demander à bénéficier du bouclier tarifaire dans un mois? Eh bien, en fait, vous aurez la facture des consommations de février qui sera à taux plein, donc 20,50 euros ou 21 euros. Et dès que le fournisseur l'aura pris en compte dans son logiciel de facture, la prochaine facture sortira avec l'application du bouclier tarifaire. Et évidemment, si vous faites votre dossier justificatif en fin d'année, vous pourrez en profiter pour faire la demande de remboursement et de demander le remboursement du mois de février qui aurait été taxé à taux plein sur la facture du fournisseur parce que vous avez envoyé l'attestation un petit peu trop en retard. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de consommateurs, beaucoup d'entreprises qui ont absolument paniqué avec ces deadlines, sachant qu'on a reçu les dernières consignes sur la fiscalité électrique fin janvier. Donc tout le monde s'est bousculé pour savoir ce qu'il fallait faire avant le 10 février. Pas de stress. Si vous envoyez votre attestation dans un mois, ce sera la prochaine facture qui sera sortie avec le bouclier tarifaire. Si vous envoyez l'attestation dans 3 mois, ce sera votre facture du mois d'avril qui sera éditée par le fournisseur avec le bouclier tarifaire. Donc voilà, si vous laissez passer le train, il y a un autre train qui passe un mois après. Donc, pas de stress. Et je suis un petit peu parfois navré de voir comment les pouvoirs publics, les impôts, également les fournisseurs ont mis la pression aux clients sans vraiment expliquer les enjeux. Donc voilà, j'en profite pour faire cette remise à plat. Oui, c'est pas la mort du petit cheval si vous n'avez pas encore envoyé votre attestation. Toute l'idée, c'est de bien peser le pour et le contre et de savoir les risques que vous encourez quand vous demandez à votre fournisseur d'appliquer le taux réduit, le bouclier tarifaire. Parce que comme on l'a vu, il y a des avantages, mais il y a aussi des risques. Si vous n'êtes plus éligible à posteriori, une fois que l'année est clôturée, c'est à vous de rembourser. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel il y a eu peu de communication et de la mauvaise communication. Donc j'espère qu'avec cette présentation, ça aurait été moins pire, mais en même temps, c'est pas difficile. Donc, trêve de bavardage, on va vous montrer ce formulaire, à quoi il ressemble. Alors, voilà, j'espère que ça va charger rapidement. Donc ça, c'est le formulaire, on va vous le mettre en lien dans la présentation, dans le replay de cette vidéo. Il y a le site des impôts où vous pourrez trouver toutes ces attestations. Alors, ça s'appelle de façon très savante l'attestation 16-196-02. Donc, on va la parcourir très brièvement ensemble. Et puis, encore une fois, si vous souhaitez appliquer des taux réduits sur vos factures d'électricité, n'hésitez pas à solliciter l'IMPID pour qu'on puisse. Si vous êtes client l'IMPID, en tout cas, on le fera, ça fait partie de notre mission. Nous avons déjà communiqué via des newsletters à ce sujet. Donc, voilà, toutes les entreprises qui étaient intéressées pour appliquer le bouclier tarifaire, normalement, nous ont sollicité, mais s'il y en a qui ne l'ont encore pas fait, n'hésitez pas. Donc, je vous passe le blabla administratif, le nom de l'entreprise et l'adresse, ainsi que le CIREN. Ça, j'ose espérer que vous savez ce que vous devez remplir. Ensuite, il va y avoir la section à gauche, les usages exonérés, exemptés. Donc là, on parle d'exonération totale, donc 0 euros de CSPE sur la part de l'électricité qui est concernée. Il y a les différentes catégories qui renvoient au texte de loi. Juste en dessous, les conditions particulières d'application, vous voyez que dans la colonne de gauche, il y a le pourcentage d'exonération totale de CSPE qui est déclaré. Donc c'est là que si vous avez 70% de votre électricité qui sert à la production de verre plat, vous allez mettre 70% et cocher la case qui correspond à votre usage exonéré. Sur la partie droite, on va voir les usages taxés à un tarif réduit, donc exonération partielle ou taux réduit de CSPE, ce qui revient à appliquer le bouclier tarifaire, comme on l'a vu. Vous avez les différentes catégories en fonction de vos 3 seuils d'électro-intensité que vous voyez ici, donc seuil à 0,50, seuil à 3,375% et le seuil, le dernier, à 6,75%. Et ensuite, vous avez les différentes catégories. Est-ce que vous êtes juste sur une activité industrielle classique ou est-ce que vous êtes dans les activités exposées à la concurrence internationale? Voilà. Alors après, il y a tout un tas d'autres activités qui permettent mécaniquement d'avoir un taux réduit indépendamment
d'autres critères qui sont beaucoup moins communs. Centre de stockage de données numériques, ça c'est vraiment pas tous les jours qu'on en voit. Exploitation des aérodromes, oui, c'est pas commun non plus. Donc voilà, on a cette partie gauche qui concerne l'exonération totale et la partie droite qui concerne les éligibilités à un taux réduit, donc le retour du bouclier tarifaire à 50 centimes ou 1 euro par mégawattheure. Et donc là, bah pareil, on retrouve dans les conditions particulières d'application le pourcentage qui est admis au bénéfice du taux réduit. Donc il est possible, vous voyez, d'avoir 70% à gauche totalement exonéré de CSPE et d'avoir à droite les 30% restants qui sont soumis à taux réduit. Si vous remplissez tous les critères, potentiellement, c'est jouable. Ensuite, dans les autres champs à remplir, vous avez la référence du compteur. Donc là, ce qu'on va appeler tout simplement le point de livraison, PDL, le PCE, point de comptage et d'estimation, point de soutirage, chaque fournisseur a un petit peu son jargon, mais en gros, c'est les 14 chiffres qui représentent votre compteur au niveau du réseau Enedis ou de votre entreprise locale de distribution. Ensuite, le bénéficiaire, ça peut être soit le CIREN, soit le CIRET. Alors là, on n'en a pas trop parlé, mais il y a des exonérations qui se font au niveau du CIREN et d'autres au niveau du CIRET. Donc c'est un élément très important à prendre en compte. Le nom et l'adresse du site concerné, c'est de l'admin, donc ça, vous devez connaître. Le CIRET, on est bon, vous connaissez aussi. Le code NAF de l'activité réellement exercée par le bénéficiaire. Et c'est en ça que vous pouvez avoir un certain code NAF sur le papier, mais si dans la réalité opérationnelle, votre activité principalement exercée ressemble à un autre code NAF, et bien c'est celui-ci qui va prévaloir. Code NAF de l'installation, si on parle d'exonération sur un usage particulier, et code NAF, voilà. Donc ça, c'est des informations relativement basiques que vous avez au niveau de votre entreprise. Et ensuite, le dernier élément, c'est les coordonnées de votre fournisseur. Donc le fournisseur, sa raison sociale, son CIREN, la référence du contrat de fourniture d'électricité que vous avez auprès de votre fournisseur, et enfin, les coordonnées de l'établissement chargé de la facturation chez le fournisseur. Très souvent, c'est le même. Voilà, et donc une fois que vous avez rempli ça, après, assigner, dater, tamponner, etc. Et il y a juste une deuxième annexe. Alors là, il y a gros débat en ce moment. Selon les fournisseurs, certains demandent de remplir la deuxième annexe ou pas. Alors, si vous avez plusieurs sites, dans tous les cas, vous devez passer par cette annexe multisite. Si vous n'avez qu'un site, selon les fournisseurs, il y a besoin ou pas de la remplir. Ça, c'est merveilleux. Évidemment, il n'y a rien d'harmonisé. Donc, dans les champs à remplir, on va avoir le nom du site, l'adresse du site, le numéro de CIRET, ça vous connaissez. La référence du compteur, le numéro, le point de livraison. D'ailleurs, c'est très sympa de mettre des cases aussi petites avec de l'écriture automatique, parce qu'en général, on n'y voit rien du tout dans ce formulaire-là. Si on remplit une adresse, il y a à peu près 9 chances sur 10 que ça déborde et que ce soit absolument illisible. Mais bon, apparemment, ce n'est pas la priorité. On retrouve les usages exonérés, donc exonération totale sur les X% qui correspondent à un usage spécifique. Vous déclarez pour chaque compteur le pourcentage d'exonération totale. Vous avez peut-être un compteur où il y a 70% du compteur qui sert à produire du verre plat, et sur une autre usine, le compteur numéro 2, il n'y a peut-être que 50% qui sert à produire du verre plat, sachant que les 50% restants, c'est du commercial. Voilà, donc on doit décliner ça site par site. Et ensuite, on a toutes les catégorisations des différentes éligibilités au taux réduit. Alors là, je ne rentre pas trop dans les détails parce que c'est un petit peu chaotique. Et en plus, nous qui sommes experts de ces sujets-là, on constate que les formulaires sont en partie incomplets, où il y a des informations qu'on ne peut pas faire figurer sur ce formulaire version impôt. Donc bon, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Donc vous cochez quelle catégorie de taux réduit vous avez selon le cas de figure, et le pourcentage qui est concerné par l'application du taux réduit. Qu'est-ce que c'est 100% de la consommation de l'entreprise ou seulement un autre pourcentage? Et enfin, des cas de figure un petit peu moins communs, on va avoir des activités très très spécifiques. Donc ça, c'est relativement explicite, donc je ne détaille même pas. Et effectivement, vous allez avoir ensuite tout un tas de documentation sur ce formulaire qui vous permettent d'y voir un petit peu plus clair. Je plaisante parce que ça reste quand même du juridique et puis de l'administratif. Donc voilà, on a toute une notice qui vous permet d'aider à remplir les formulaires. Mais encore une fois, il y a tellement de textes de loi différents qui peuvent s'appliquer. Vous voyez les références. C'est un sujet assez compliqué.
Et c'est pour ça que nous, Limpid, ben, on continue d'accompagner nos clients sur ce sujet, parce que c'est un vrai bazar et les enjeux sont tellement importants qu'il ne faut pas se planter. Voilà, donc je ne vais pas plus loin sur la petite notice, mais vous voyez que c'est quand même relativement dense. Et malgré ça, il y a quand même des informations qui, à notre sens, manquent. Donc voilà, c'est un sujet assez complexe. Et donc, bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes client Limpid et que vous avez des questions sur ces formulaires, comment les remplir et est-ce qu'il faut appliquer ou non vos exonérations, on pourra vous donner un conseil sur mesure. Donc, pour terminer, ce qu'on vous proposera, c'est effectivement qu'en fin d'année fiscale, quand vous clôturez votre année, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous présente notre service clé en main. Alors, si vous êtes déjà client Limpid, vous connaissez, et on va juste devoir apporter quelques modifications, puisque nos prestations, on les faisait clé en main avec le système des douanes. On va devoir remettre à jour nos contrats pour que ça quadrille bien tout le processus sur la partie impôt qui va désormais être concerné quand on fait vos dossiers. Donc, on a toujours notre service clé en main. Et donc ça, pour les industriels, aujourd'hui, c'est un sujet tellement compliqué qu'il vaut mieux externaliser auprès de quelqu'un dont c'est le métier, qui est à jour sur les textes de loi, ce qui permettra de faire des dossiers vraiment carrés et puis d'être irréprochable par rapport à l'administration fiscale. Si vous n'êtes pas client, évidemment, contactez-nous pour qu'on vous explique en quoi ça consiste notre service clé en main, et puis pour savoir également le coût que ça représente, hein, selon votre consommation et votre configuration. Combien de compteurs vous avez, sur combien de sites différents, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et dans tous les cas, la prochaine action, ce sera une fois que votre exercice fiscal est clôturé. C'est là que vous serez sous pression, vous devrez rendre le dossier pour faire votre régularisation sur les taxes énergétiques. Voilà. Donc, c'était le premier point. Et le deuxième et dernier, c'était de suivre notre page LinkedIn. Vous tapez sur LinkedIn Limpid Énergie. Et vous allez pouvoir retrouver toutes nos communications. On parle un petit peu de tout. On parle de tout ce qu'il y a dans l'actualité. Donc, ça va être de temps en temps les sujets sur l'évolution des réglementations, le sujet de la fiscalité qu'on a abordé sur plusieurs posts LinkedIn, les prix du marché, les fournisseurs, etc. Donc, si vous voulez rester à jour, ça ne vous coûte rien. C'est gratuit. Une inscription sur LinkedIn. Et puis, comme ça, vous avez une petite notification deux ou trois fois par semaine dès qu'on a un post. Et comme ça, ça peut venir vous apporter des informations très importantes. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça a été le plus clair possible pour vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes client Limpid, que vous avez des questions suite à cette vidéo. On sera là pour vous apporter toute la transparence sur le sujet qui est très complexe et sur lequel, encore une fois, les pouvoirs publics et les fournisseurs ont communiqué de façon un petit peu galère, pour être sympa. Donc voilà, si vous êtes client Limpid, n'hésitez pas à nous appeler. Et si vous n'êtes encore pas client Limpid, n'hésitez pas à nous solliciter pour du conseil sur mesure ou pour de la prestation clé en main, ce qu'on pourra effectivement vous proposer une fois que votre exercice fiscal est clôturé. Voilà, donc vous avez nos coordonnées, notre ligne directe, le numéro du standard 09 70 70 14 70 et puis notre adresse mail générique energie@limpid.net. Voilà, donc n'oubliez pas que cette présentation, elle date de février 2024. Donc si vous retombez sur cette vidéo dans 2 ans, dans 3 ans, les informations risquent d'être un petit peu périmées. Donc voilà, remettons tout cela dans le contexte. Je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'on a réussi notre objectif de vous rendre l'énergie et la fiscalité encore plus limpides. À très bientôt.